Est-ce qu'il va bien, docteur? Elle va très bien. Et voilà le bébé. Oh, je sais vraiment tenir ce genre de choses. En faisant savoir au FBI quel petit clairon jouait du boogie-woogie. On ne baisse pas les bras avec Bart. Et je baisse pas les bras avec toi, Homer. Quoi? T'essaies toujours de quelle façon? Mon testament est de 38 pages où je te gueule dessus. Où je suis sur le testament? Une erreur, votre fils a une intelligence au-dessus de la moyenne. Bravo, mon garçon. Ça a l'air d'être un B, le vrai malheureux est A. Simpson. Quel balourd, la pire écriture et cervelle de toute la ville. Je suis A. Simpson. Oh, ravi de vous connaître, vous voulez un peu d'eau? Ça rend intelligent? Non. Non, Panty, mais je vais te dire maintenant, on parle de formes et de couleurs. J'aime les rectangles bleus. Rectangle? Tu sais, Homer, ceux qui ont quatre côtés. Écoute-toi, je connais mes formes depuis que j'ai 16 ans. Relâche-le, Homer, et je te donnerai un cookie. Mais non, c'est un dessous de verre. Waouh, l'andouille se réveille. Je prends le cookie. J'aurais jamais cru... Aspirateur à feuilles, ta tronçonneuse et les journaux du matin. Eh bien, beau travail, inspecteur, je me sers. Tu as attrapé le voleur? Qui a dit que c'était un homme? Sûrement pas moi. Qui a dit que c'était toi? Personne. C'est pas une réponse. Je t'embarque. Ah, d'accord. Joue pas sur mes nerfs, tu veux? Ouhou, voilà ma pub. Oui, j'ai à nous écouter. Moi, je sais où trouver ce type. 742 Evergreen Terrace. Non, c'est notre adresse. Il est chez nous? Non, il habite au Ranch Cosmic Wars dans le nord de la Californie. On y va, s'il te plaît. On visiterait des vignes. Je suis pas en état de conduire, mais attends. Il faut pas que je m'écoute. Je suis bourré. Très bien, souviens-toi des règles pour boire et conduire. Tu vas doucement, mais pas trop doucement. Tu bois un coq, ça te donne un coup de fouet. Mais qui j'ai... Oh! Oh! Bravo le régulateur de vitesse! On est déjà arrivé? Dans une minute, oh, pinaise! Si les flics me chopent, ils vont me retirer mon permis. Oh, j'aurai pas de papier pour louer des rollers. Oh bon sang, ça sent la bière à plein nez. Le bain de bouche du diable. Ah, tu appelais pas ça comme ça au pot de Noël? J'aimerais qu'on tire un toit là-dessus, chef. Oh mince, le chauffard ivre est une chauffarde. Oh non. Je vais être un quinze. Je vais aller en prison. Qu'est-ce que c'était? Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va peut-être s'avancer vers nous et avouer que c'est lui le vrai coupable. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'ai payé ta caution, chérie. T'es libre maintenant. Avec horreur que ma bûche glacée est dehors sur... La 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 la... Oh! Yannick? Du chanvre indien. C'est ce que ça sent dans les concerts rock. Et finalement, Homer, je te laisse quelque chose de très exceptionnel. Une mission difficile. Va dans le parc naturel de Springfield, grimpe sur le plus haut pic et à 3 heures pile disperse mes cendres. Je t'aime, Homer. Et... Riam. Oh, papa, je suis fatiguée. On lira la suite demain soir. Demain soir? Mais elle a des ennuis maintenant. Je vais continuer un peu sans toi. Non. Une bonne pâte aux gruyères. Homer. Tu dois lire la suite, la fiction est ta passion. Vous êtes charmante, mais je suis mariée. Lila, gros balourd, et vite! Oh, je peux pas lire la suite, j'ai promis à Lisa de pas la lire. Jette un coup d'œil au titre du chapitre suivant et vois si tu... Les Simpsons! Ils sont ici! Les monstres sont ici! Mo, c'est moi, Marge! Je suis votre amie! La reine des monstres s'en prend à moi! Vous êtes la pire de tous les Simpsons. Allons, une petite seconde. Je sais bien qu'on n'est pas parfait, mais je crois que c'est Johnny Holiday qui est dit... Silence!
C'était un os de l'intérieur de moi. Simpson, conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la charte de la ville... Attendez, si vous nous bannissez, vous subirez la malédiction de 1000 ans de sécheresse. Je veux dire 1000 ans de déluge. Je veux dire 1000 ans de beau temps. Bon, tirez-vous. Ah, mon fiston, les idées sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont juste libres. Mets le contact. J'avais tant rien de mauvaises idées, de mauvaises idées. Je suis paresseux. Hein? Je m'en occupe. Lenny Lanford, vous êtes bien... Le sauvage de Wichita. Je t'ai pas pardonné d'avoir mis une chèvre morte dans mon lit. Elle était pas morte avant que tu roules dessus. Prends ouais. Ça en pleine gueule, mon pote. Je vais te tuer, espèce de sang. Viens ici. Oh merde, j'ai l'impression que ce poisson n'est pas mort. Oh Marge, je t'en prie, hein, j'ai déjà assez de mal avec les homards. Servait pour les Jeux Olympiques ou pour Michael Jordan. Alors voilà comment ça se présente. Bon, vous Skinner, vous vous chargez de bloquer Carl. Mo, tu vas te reposer sur le banc. Homer, tu te colles au marquage de Willy. Pas question que je sois au marquage de Willy. Si tu y seras, tu joues pour l'équipe, oui ou non? Non, bon sang, j'ai un lacet de défait. Je vais devoir m'agenouiller pour relasser ma chaussure. Visez un peu le style, bande de Nilos. Ça va, j'ai rien. Il a pas travaillé, mais ma vie a plus de sens loin de la centrale nucléaire. Oh, vous devez aussi payer cette grosse facture à l'hôpital. Vous n'auriez pas dû appeler le coiffeur aussi souvent, ni commander autant de cassettes porno. Bah, je croyais que Harem en folie était une charmante comédie. Vous en faites pas pour la facture, docteur. On n'est pas du genre à pas... Ouh, regardez un ours, tirons-nous.